Bonjour, merci d'être présent pour le lancement de notre campagne de financement pour notre Église. Comme vous le savez, les chevaliers Colomb ont fait des financements voilà 2 ans pour la réparation du toit avec un tirage pour une Ford Focus de Ford Pinard. Ça a été un grand succès. Cette année, on a décidé de faire une grande collaboration avec Métro Marché Beaulieu, votre métro de Sainte-Julienne, à faire un tirage d'une épicerie d'une année. Eh oui, 50 bons de 200 $ pour un total de 10 000 $. Et non 75 $ par semaine, mais 200 $ par semaine. Je m'excuse, il fallait le dire. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Tous les profits seront remis à la fabrique de Sainte-Julienne pour la réparation de la façade de l'église. Je vous présente les personnes concernées. Un homme très généreux, présent dans notre paroisse, OK, Stéphane Beaulieu. Notre curé, André Chevalier. Et nos marguillés, André Coulombe, Daniel Rattel, Michel Jean et Gérard Daviaud. Merci d'encourager nos marchands locaux, car eux, ils nous encouragent. Ils sont toujours présents pour tous les organismes, je peux vous le dire. Surtout Métro. Le tirage va avoir lieu le dimanche, le 9 juin 2019, à la messe de 10h30, à la fin de la messe, à l'église de Sainte-Julienne. Vous êtes bienvenus de venir. On peut se procurer les billets aux caisses du marché ou au coût de 5 $ le billet. Et aussi à la fabrique de Sainte-Julienne. Je voudrais remercier le marché Beaulieu ainsi que le personnel. Merci. Pour leur grande disponibilité et amabilité. C'est un gros projet, c'est une réparation des joints de pierre de la façade ainsi que la peinture de la grande rosace. Alors, ça va demander un déboursé de 80 000 $. Grâce à ce tirage, on espère ramasser assez de fonds pour couvrir tous les frais. Alors, merci à toute la population qui nous encourage depuis des années et qui, j'ose espérer, vont continuer à le faire. À vous tous, mesdames, messieurs les marguillés, merci de votre collaboration et ensemble, nous allons réussir ce projet.